Le derby de la Champagne entre deux promus qui connaissent des trajectoires opposées. D'un côté Reims, 14 points pris et deuxième meilleure défense du championnat. De l'autre, 3 relégables avec deux fois moins de points que son adversaire du soir. Un match a priori déséquilibré, mais dans un derby, la logique n'existe pas. Diego Rigonato lance la première banderille sans inquiéter Johan Thuram. 3 est certes relégable, mais les Troyens sortent d'une victoire face à Marseille. La confiance est là, les Troyens osent à l'image de cette frappe flottante de Fabien Camus, formé à l'OM. Reims prend peu à peu l'ascendant et se montre inquiétant sur coup de pied arrêté. Johan Thuram est une nouvelle fois à la parade. Mais sur le corner qui va suivre, Aïssa Mandi surgit de nulle part pour l'ouverture du score. Grosse faute de marquage des Troyens qui laissent Mandi et Pape Soaré libres aux 16m50. Cette saison à domicile, Reims s'est toujours imposé après avoir ouvert le score. A l'inverse, à l'extérieur, Troyes a toujours perdu après avoir été mené. Plus offensif et surtout plus réaliste, les Rémois mènent 1-0 à la pause. La seconde période marque le réveil des Troyens. Fabien Camus trouve la tête de Jarja. Kossi Agassa était battu, mais le poteau sauve les Rémois. Dos au mur, Troyes joue libéré et trouve des décalages. La combinaison est superbe, la conclusion de Benjamin Nivet l'est un peu moins. Le côté gauche troyen fonctionne bien, on insiste donc de ce côté pour les hommes de Jean-Marc Furlan. Fabrice Nsak à la centre, la déviation de Tank Alfred profite à Fabien Camus, opportuniste. Égalisation logique qui galvanise l'Estac. Comme souvent cette saison, Reims baisse de pied en fin de rencontre. Marcos, lui, le lève et passe tout près d'inscrire l'un des buts de cette journée. La fin de match est plutôt débridée. Rémois et Troyens se répondent du tac au tac. Julien Toudic, à peine entré en jeu, aurait pu être le héros de cette soirée avec un peu plus d'application. De l'autre côté du terrain, Kossi Agassa est lui aussi déterminant dans sa sortie face à Jean-Christophe Baebek. Score final, 1-1, Jean-Marc Furlan peut se montrer satisfait. Son équipe a fait preuve de caractère et confirme son succès face à Marseille en prenant son premier point à l'extérieur. Reims laisse échapper 2 points face à un concurrent direct au maintien. 2 points qui pourraient peser lourd au moment de faire les comptes en fin de saison.